Eh bien bonjour, tu sais qui secoue aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la vidéo d'Orchard Giga, on est sur Call of Duty Cold War sur PC les amis. On va tester Nuketown 24 sur 24, le mode de jeu, voilà. Alors Nuketown 84 en 1984, alors j'ai toujours pas regardé comment était la map, tout ça, j'ai vu aucune vidéo, rien. Les gars, on est mardi 24 novembre, c'est la sortie de la map. Donc voilà, donc je suis revenu des cours, je me suis dit tiens putain c'est vrai, il y a la map, il faut que je la teste. En plus on est tombé sur du MME, voilà, donc c'est des modes aléatoires. Donc on va tester, alors elle a l'air assez stylée vu déjà de l'image. Alors, on va voir un peu ce que c'est. Et franchement, tous les Nuketown que j'ai vus de tout Call of Duty, c'est tout ce qui fait, la vérité. Tout ce qui fait, tout, soit BO3, BO1, BO2, BO4, même bah, ce Call of Duty, on verra bien. Mais le reste, j'avais tout ce qui fait, donc voilà. Donc, bon, elle a l'air plus en mode BO1, celle-là. Et juste avec des décors en plus, donc voilà. Mais bon, c'est plus l'année de BO1. Donc, on va tester ça, les amis. Voir ce qu'il y a dans le jeu à la 1574U, 4 juillet 1984. C'est parti, on va tester, les amis. On espère pas se faire démonter. Alors, j'ai vu qu'il y avait plus de joueurs sur console que sur PC. Sachant que moi je suis sur PC. Oh, il y a double XP en plus, putain, mais c'est cadeau! Non! C'est cadeau, putain, il y a double XP, mais c'est nickel ça! Ça joue à quelle arme là? Ça joue à la Hog, ok, ça joue à la Hog. Ok, bon. Oh, j'ai le sang à fond dans mon casque, c'est incroyable. C'est la première fois que j'utilise ce casque de toute ma vie sur Call of, hein, la vérité. Parce que mon ancien casque s'est cassé, je sais pas pourquoi. La vérité, c'est cassé. Bah, il datait un peu, c'était pas un nouveau casque quand même. Oh y'a yeah, oh, yeah, 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 sniper, ok d'accord. J'avais oublié les snipers qu'il y avait dans. Ok. Yes, c'est bon ça, c'est bon, c'est bon ça. C'est bon ça les gars. Non putain mais camp blanc cul. Allez, on va chercher un sniper, bah écoute. Le NW3 que je suis en train de monter en ce moment en plus, bon pas beaucoup parce que. En fait vu qu'il y a pas mal de campeurs, ouais, comme ceux qui sont là. Personne, ok. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va tenter un peu s'il y a quelqu'un ici. Quelqu'un, mes frères, mais il est en train de camper. Gizmo, tu me casses les couilles. Putain. Il fait chier, les gars, il fait chier. Oh putain, mais il a pas mal dans les marqueurs, lui. Je suis sûr qu'il y a un mec là-bas, là, c'est obligatoire. Frère, tu m'as saoulé. Mais tu m'as saoulé, mes frères. Mais il m'a saoulé à camper. Alors, si je le mets encore un truc qui est marqueur, je vais péter un câble. Ah, par contre, frère, je pète un câble. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, non, on va sortir l'arme, les gars. Non, bon, franchement, tu peux pas. Nuketown, frère, tu peux pas. On prend l'MP5 cette fois-ci, donc voilà. Quoi? 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 Mes frères! T'as pas droit à la vie, toi? Mais quoi? Vous voyez? C'est ça, Cold War. C'est ça, 2020. C'est ça, le nouveau Call of. Ah ouais, j'ai compris. La map, franchement, tu t'es fusillé en deux-deux. Ah ouais. En fait, c'est quand le Call of Duty est assez. Il est assez bâtard avec toi. T'as pas de chance parce que tu te. Non, mais putain, mais vous voyez ce genre de choses, par contre, ça, c'est. Je déteste. Je compte tellement sur les bombes pour faire des kills, sérieux. Oh, j'ai fait un kill en plus, c'est parfait, c'est bon ça. Mais c'est. Il est où? Je. Ouais, ok. Ça campe, putain. Je mets un drone au moment où il y a un avion de espion. Ok, bon, bah écoutez, les gars, c'est. En fait, ça campe. C'est pas que ça campe, en fait c'est juste que en fait, nos joueurs n'osent pas avancer. Nickel, nickel, casse-toi. C'est bon ça. Ça marche. Non putain, en fait lui il est chiant. Il est chiant lui en fait là-bas, vous voyez, il casse les couilles. Meurs mais frère, mais oh là là, il est immortel. Mais c'est pas possible, il est mortel lui là-bas à droite, c'est un truc de fou, il veut pas crever. Mais frère, meurs, crève, tu peux crever au moins une fois. J'en ai marre, c'est... Mais frère, je peux pas bouger, je peux même pas regarder à droite. C'est chiant. Franchement, comment ça s'appelle? Ça change toujours pas. Hein. Ce côté de la voiture est toujours aussi chiant sur. Sur Nuketown. Je tremble, je sais pas comment. C'est un truc de fou. Ils sont de partout. À droite, à gauche, derrière. C'est un truc de malade. C'est chiant. En tout cas, la map elle est super belle, les amis. En tout cas, là, vous m'avez ragé, mais. En tout cas, je la trouve super belle, elle est magnifique, je fais une partie de grosse merde, j'avais bien commencé, putain. Je sais pas ce que j'ai d'un coup là. Et ouais, mes frères, mais ils sont tellement chauds, waouh. Mais ils sont, c'est proprement incroyable, sérieux.
Regarde-moi ça. Je comprends, je comprends pas. Tu veux faire quoi? T'as une équipe, regardez mon équipe où elle est. Elle reste où elle est. Putain, je compte que sur les bombes, faire des kills. Regarde-moi ça, et ça pré-shoot à mort. Allez, c'est pour moi ça. Faut aller d'avant, les gars. Arrêtez de rester ici. Avancez dans leur spawn. Faut avancer. Là, y'a un mec là. Ah, ça change de spawn quand j'arrive là. Mais ça prend le. Ça va venir. C'est sûr, ça va venir. Voilà. Putain, j'étais deux. Faut choper lui comme ça l'attaque, les gars. Non! Mais il me casse les couilles, par contre. Il m'a saoulé. Non, mais. C'est horrible. On va prendre le colis. Ah, mais j'ai peur que je mets le colis, mais ça spawn ici, vous voyez. J'ai trop peur de ça. Et c'est ce qui va se passer, juste même, je pense. On va mettre ça, on sait jamais, vous voyez. Mais. Bon, attends, c'est pas grave. C'est jamais, hein. Oh oui! Tu me fais plaisir. Mais tu me fais tellement plaisir, frère. Ok, putain, elle a mis son truc de merde en même temps que moi. Il est horrible. Mais frère, mais alors lui, mais... Waouh. Mais regarde. Regarde-moi ça, c'est je déteste. Bon. Allez, avancez. N'aie pas peur. Non, plus de munitions. Mais le... Oh, Gizmo, il m'a tué... Oh, il m'a tué combien de fois? Oh frère, il m'a tué une dizaine de fois le mec hein. C'est un truc de fou. Mort à droite, ouais, je peux pas. Les spawns ils changent trop vite, ils changent trop rapidement. Il y a trop... Je spawn en même temps où... En fait je spawn même en temps au même endroit qu'eux. Waouh. Regardez, crève, je t'ai vu. En bas aussi, parce que regardez c'est de partout, en fait il y en a partout. Je peux pas avancer tranquillement. Non. Yes, ça va. Je me suis rattrapé. Regardez. Putain, je me suis rattrapé. Waouh. En fait, j'ai remarqué quand j'ai repris la 14U, je me suis putain de rattrapé en fait. J'ai joué pas bien. Je crois que c'est ça le problème, c'est la 14U en fait. Enfin, c'était mon arme en fait. Putain. En tout cas, franchement, les gars, la map, elle est magnifique. Je kiffe. Battle 19, c'est de la merde le vent. Ah ouais. Franchement lourd. Bon, niveau 28. Franchement lourd les gars. Bon écoutez les gars, franchement, bah, c'était juste une vidéo pour découvrir de la map. En tout cas, moi je la trouve vraiment super belle. Le seul bémol, vous voyez, c'est qu'il y a pas mal de... En fait, c'est les spawns. En fait, ça, c'est le jeu en général, c'est même pas la map. Hein. C'est le jeu en général, c'est les spawns. Après, c'est très bien en règle générale, les spawns sur Nuketown, ça a toujours été comme ça, vous voyez. Il y a beaucoup de spawn kill, tout ça, c'est un peu la merde. Mais bon, voilà, quoi. Donc voilà. En tout cas, avec les amis, la map tourne super belle, comme je vous ai dit. Elle est vraiment magnifique. Il y a pas mal de... Il y aura encore des choses à découvrir, bien évidemment. Alors, je sais pas s'il y a le secret, vous voyez, les secrets où on coupe les têtes des mannequins, dans un temps réglementaire, en moins de 2 minutes, je crois, ça fait un truc. Franchement, faudrait tester ça, je vais essayer si ça le fait. Si ça le fait, je ferai une vidéo pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, et puis voilà. Donc voilà. Donc j'espère que ces deux aura plu, les amis. Elle a été courte, et puis voilà. C'était Kitsuko, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like. Ciao tout le monde.